Good morgen, allez, Yidan et Sussur aujourd'hui, il est le Nishmat et Sharon Ben Fortuné Mazal, Claude Israël Ben Fortuné Mazal et Avraham Ben Shushan. Si vous souhaitez aussi des liens, une prochaine étude, vous pouvez contacter le Sacrement éternel. Nous étions à Sechet Rosh Hashanah, Perek Bet, Mishnah Vav, Ketzad Bodkin et Taedim. Zug Sheba Rishon, Bodkin Oto Rishon, Omachnesin et Agadol Shebahen, Vomimlo et Mor, Ketzad Raita et Alevana, Lifnei Achama ou Leachar Achama, Litzfona ou Lidroma. Kamaya Gavoa, ou les Aïnan Yanote, ve Kamaya Rachav. Ve Imamar, l'ifne Achamal ou Amar Klum. Vacharkach, machnissin et Hacheni ou Bodkinoto, imnim tsoudivre mechouveni medutan keimet, ou shar kol azugot, shualin otam rachet varim, lo sheyut srichin laen, la kedei, shalo yetsu, be pachenefesh, bejuil, sheyu, regilim lavo. Là, on a une Mishnah très importante qui est amplement détaillée dans la Gemara, ça va prendre presque deux dapim, où on explique tout le cycle lunaire, où la Lune se trouve à chaque instant, comment ça fonctionne en fait, à l'est, à l'ouest. Et la Mishnah, concrètement, je commence d'abord par la traduire. Ketzad Bodkin et Taedim, comment est-ce qu'on vérifie les témoins? Les témoins viennent dire qu'ils disent qu'ils ont vu le renouvellement lunaire. Alors on va leur poser des questions, on va voir, comme tous deux témoins qui viennent témoigner, on les prend chacun à part. On leur pose toutes sortes de questions, et puis on voit est-ce que leurs paroles coïncident. Et donc, Ketzad Bodkin et Taedim, comment on vérifie les témoins? Zug Sheba Rishon, le premier Zug, la première paire qui vient en premier. Alors, Bodkin Oto Rishon, celui qui est le premier arrivé, c'est le premier qu'on va interroger. Et on va lui dire, Omachnissin et Agadol Sheben, Vomrimlo. Et on fait oser entrer le plus grand des deux, d'abord le plus Mechoubad. Et on commençait, et on lui disait, Emor, dis-moi, quelle est Sadraïta et Alevana? Comment elle était la nouvelle lune que tu as vue? Tu as dit que tu as vu la nouvelle lune. L'ifne yachama, ou l'achar achama? Devant le soleil ou après le soleil? Et là, c'est compliqué. Mais on va essayer d'expliquer ça très succinctement. Le cycle lunaire, on a déjà dit. Il y a d'abord, quand on voit la Lune bouger dans une même nuit, la raison pourquoi la Lune ne bouge presque pas. Elle a bougé de, concrètement par rapport à la Terre, elle a bougé de 6, un angle de 6 degrés uniquement, puisqu'elle fait 360 degrés, l'équivalent de saut. J'explique. On a le Soleil qui est là, à l'est. Et qui est là. On a la Terre qui est là. Et on a la Lune, c'est le satellite qui tourne autour de la Terre. Il tourne autour de la Terre, et ça lui prend 30 jours pour faire le tour de la Terre. Kaftet Yudbet Tashtag, 29 jours, 12 heures, et Tashtag Halaki. Maintenant, donc la Lune, maintenant, qu'à chaque fois que la Lune elle va passer entre le Soleil et la Terre, elle commence son nouveau cycle. Si on est en pleine journée et qu'on est juste en dessous, on va voir une éclipse lunaire. Une éclipse solaire, je vous ai dit, l'éclipse solaire sera toujours au moment du Molad, là où il y aura le nouveau renouvellement lunaire, concrètement. Forcément, parce que c'est la Lune qui passe entre le Soleil et la Terre. À la différence de l'éclipse lunaire, entre parenthèses, où elle sera toujours le 15 du mois. Parce que dans ce cas-là, alors là, c'est le contraire. C'est la Lune qui se retrouve de l'autre côté de la Terre, puisqu'on voit sa face pleine. D'ailleurs, peut-être qu'il y a une donnée évidente, quand même. Vous savez que lorsqu'on voit la Lune, c'est le Soleil qui l'éclaire. Alors pourquoi on ne veut pas toute la Lune? Parce que la Lune, elle est toujours en face du Soleil. Elle est comme ça, en face du Soleil. Et moi, selon ma position, quand elle est là, je ne la vois plus. Quand elle est là, je la vois moitié. Quand elle est là, je la vois entière. Et ainsi de suite. Elle fait le tour comme ça pendant 29 jours autour de ma tête qui est la Terre. D'accord? Donc, lorsqu'elle est là, je ne la vois pas. Elle arrive devant moi, je la vois au quart. Et elle arrive de ce côté-là, je la vois entièrement. Concrètement, le 15 du mois, la Lune, elle est à l'opposé du Soleil. C'est-à-dire, on a le Soleil, ma tête, moi je regarde de ce côté et je vois la Lune qui est pleine. Forcément, il faut savoir aussi, dans l'éclipse lunaire cette fois-ci, elle aura toujours lieu le 15 du mois hébreu, c'est-à-dire le 15, plus précisément le 15 à partir du Molad. Parce que c'est précisément lorsque la Lune elle va passer maintenant, elle va entamer l'autre moitié, et donc elle va passer maintenant, on va se retrouver avec le Soleil qui l'éclaire. Moi j'ai mes yeux par là-bas, donc je suis en pleine nuit. Je vois la Lune qui est là, elle arrive, et puis là, le Soleil arrête de l'éclairer parce qu'elle passe derrière la Terre, et donc elle a disparu pendant un quart d'heure à peu près, et après elle continue son chemin, je recommence à la revoir. D'accord?
Un quart d'heure, ou peut-être plus, je ne sais plus exactement, peut-être. Ok, ça d'abord, c'est des données de base. Il s'avère que maintenant, la Lune, lorsqu'elle renouvelle mon solaire, je reviens, de nouveau j'ai le Soleil ici, moi, je suis la Terre, ma tête c'est la Terre, je vois la Lune, elle passe comme ça, je ne la vois plus. Puis, alors là, elle va commencer son cycle. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier, ma tête, c'est la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même. Il va y avoir un moment où le Soleil, lorsque je me suis levé, j'avais le Soleil qui était à l'ouest, et ma tête, elle a tourné, mon Soleil, le Soleil, il a disparu. C'est-à-dire que maintenant, il a disparu à l'est. Regardez où est-ce qu'elle est la Lune en ce moment, elle est là. Je vais voir cette petite bout de face éclairée, ici, qui se retrouve de ce côté-là. C'est la face, donc, la Lune éclairée. Le Soleil, lui, il est parti se coucher. En fait, lui, il n'est pas parti se coucher, c'est moi qui continue à tourner la tête. Il a disparu de mon horizon. Et il va y avoir, pendant au tout début de la nuit, je vais commencer à voir, au moment du coucher du soleil, un petit bout de lune qui va très vite disparaître, lui aussi à l'horizon. Parce que la lune, lorsqu'il y aura le renouvellement lunaire, eh bien la lune, elle sera toujours forcément au début de la nuit, à l'est, à l'ouest, là où le soleil se couche, la lune se trouve là-bas. Puisque si je la vois pas entière, c'est que forcément, elle est du côté, elles sont ce qu'on appelle Bekibouts. Dans les post-kills, ça s'appelle les Bekibouts, ils se retrouvent tous dans le même coin. Donc forcément, je vais presque pas la voir, je vais la voir juste pendant un tout petit moment du début de la nuit. Et à la fin du mois, par contre, ça va être le contraire. Elle est la Lune, elle a continué à faire le tour, elle se retrouve ici. Moi, en pleine journée, je ne l'ai pas vue parce qu'il y avait le soleil qui l'éblouissait. Puis il va y avoir un moment où je vais arriver, maintenant ma tête elle continue à tourner, c'est la Terre qui tourne sur elle-même, et je vais arriver à un moment vers le petit matin, avant le début du au crépuscule, je vais voir un petit bout de la Lune, cette fois-ci de l'autre côté. D'accord? Ok. On aura l'occasion encore de réévoquer encore une fois quelques petites questions de temps en temps. Là en tout cas c'est ici que ça se trouve essentiellement dans la Mishnah. Et donc maintenant, c'est important, la Mishnah va me dire, Ketsad Raita Telamana. Comment? Alors on posait la question au témoin. Comment est-ce que tu as vu la Lune? L'ifne achama ou l'achara achama? C'est-à-dire, quand tu as regardé maintenant à l'horizon, tu as vu le soleil qui est en train de disparaître à l'ouest. Et toi, tu as vu la Lune. La Lune, elle avait l'air d'être avant le soleil ou après le soleil, c'est-à-dire le soleil. Elle était plus. C'est-à-dire, quand tu regardes l'horizon, tu as vu le soleil venir. Le soleil s'est levé à l'est, la tournée était vers le sud. Et après, il s'est retrouvé à partir de se coucher à l'ouest. La Lune, elle avait l'air plus comme si que le Soleil partait dans sa direction, ou la Lune, elle était plus de l'autre côté du Soleil. Ok? Ça, c'est une première question qu'on lui pose. Concrètement, la Mishnah va nous dire, s'il va me dire « l'ifne-achama », c'est bien, mais s'il va me dire « l'achara-achama », plutôt, s'il va dire « l'ifne-achama », elle était avant le Soleil, alors là, là, il s'est trompé, d'accord? Excusez-moi. Je ne vous ai pas expliqué. Je vais vous expliquer l'histoire de... Ce que je vais vous expliquer, c'est juste, mais ça va être plutôt pour la question de l'Itzfona, l'Hydroma. Je reviens maintenant, plutôt. L'Ifna Hamada, c'est une question très simple. Comment elle explique plus simple? C'est tout simplement, quand tu as vu le... Quand on voit un croissant de lune, d'une nouvelle lune, qui se renouvelle, alors il y a ce qu'on appelle la face claire, et il y a ce qu'on appelle la Bgima, la face éclipse et la face sombre de la lune. En fait, quand tu as vu le croissant, les pics, ils étaient vers le soleil, ou à l'extérieur du soleil, de manière générale. Comprenez bien que vous aurez toujours les pics du croissant qui sont toujours à l'extérieur du soleil, puisque c'est le soleil qui l'éclaire. Donc l'éclair, il éclaire sur la face que je vois. Donc si le soleil est dans un endroit, il est à l'est, la lune, il est à l'ouest par exemple, la lune, elle est face à lui, la face éclairée, elle sera toujours la face remplie, la face belle du croissant, elle sera toujours en direction du soleil, et les pics qui sont de l'autre côté. D'accord? Ça, premièrement, c'est la première question de base de l'ifnei achama ou l'achara achama. C'est-à-dire, la pgima, la face cachée de la lune, que tu ne vois pas, justement, elle était du côté du soleil, de l'autre côté. Elle sera, en théorie, concrètement, elle sera toujours de l'autre côté du soleil. Ok? Elle sera toujours de l'autre côté du soleil. C'est-à-dire, les pics du croissant, ils sont toujours à l'extérieur du soleil. Ok? Donc on a dit, comme on a dit, la pgima, la face cachée, elle était du côté du soleil, de l'autre côté du soleil. Et l'itzfona ou l'hydroma. Alors là, on a l'itzfona ou l'hydroma. Là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La lune, le soleil va partir se coucher à l'est. La lune, elle va se lever. Maintenant, la lune, elle va, au moment du coucher du soleil, je vous dis, on va voir la nouvelle lune. Des fois, elle va être un peu plus au nord ou un peu plus au sud.
selon la période de l'année. C'est rapporté comme ça dans le Yerushalmi, par exemple, et même dans le Bavli aussi. Durant les jours d'été, alors elle va être l'Idromadvarakamin, de Tevet jusqu'à Tammuz, durant les mois d'hiver. Ça correspond plus Tevet à Tammuz, c'est printemps et été. Alors, elle va être dans la partie nord, et dans l'autre partie de l'année, de Tammuz jusqu'à Tevet, donc de l'autre partie, elle va être plutôt dans la partie sud. D'accord? Ça bouge. La Lune, elle n'a pas une trajectoire nette. Ça dépend, en fait. Elle est même, je crois qu'elle est même, la Lune, d'ailleurs, concrètement, l'ellipse qu'elle fait autour du Soleil, autour de la Terre, il n'est pas aride. Elle n'a pas un chemin bien net. Ça bouge un peu. Il me semble que c'est un satellite qui bouge en plus. Prenez en plus de ça le fait qu'il y ait l'inclinaison de la Terre, tout ça, ça modifie un peu. Et voilà. Ça, c'est pour les questions qu'on lui pose. Donc, on l'a dit. Je reprends. L'ifna chama ou la chama, devant le soleil ou derrière le soleil, c'est-à-dire les pics en direction du soleil ou bien les pics vers le soleil ou à l'extérieur du soleil. Ensuite, l'itzfona, les drômes, plutôt dans la partie nord ou dans la partie sud. Kama ya gavoa, à quelle hauteur tu l'as vu? Quel angle tu avais depuis le sol? Ouais, des fois tu vois la lune aller tout au fond de l'horizon, des fois tu la vois plus haute. À quelle hauteur tu l'as vu? Ou les aïn hayanote. Et vers où étaient de nouveau les roches Abgima? Finalement, c'est la même question, plus ou moins. Ah, mais là, c'est plus dans le sens où, des fois, la Lune, on la voit, c'est une inclinaison, en fait. On va voir le croissant, c'est vrai, mais des fois, le croissant, on va le voir plus haut, moins haut, parce qu'en fait, c'est la Lune qui est montée soit plus haut, soit plus basse, par rapport à la Terre elle-même. Donc, du coup, tu vas la voir plus inclinée, moins inclinée. Et alors la Mishnah m'explique en me disant Imamar, Lifne Achama. Mais non, les Dayanim, il faut bien savoir, ils connaissaient le calcul astrologique exact pour savoir où est-ce qu'elle était la position. Donc du coup, on interrogeait et on voyait est-ce que ce qu'ils répondaient c'était cohérent, c'était logique ou pas. Maintenant, Imamar, Lifne Achama, Loa Marklum. C'est là dit que les pics, comme ça le Bartholomé explique, c'est là dit que les pics du croissant, ils étaient en direction du soleil, c'est-à-dire que là, il se couchait à l'ouest. Et la lune, elle était comme ça, donc en fait, Il a vu les pics qui étaient à l'ouest. Alors là, non. Loa Marklum, il n'a rien dit. C'est pas possible. Vacharkar, ensuite, Ayumachnissin et Hasheni. On faisait entrer le deuxième témoin, ou Botkinoto. Et on le vérifiait, on le questionnait. Imnim Tsudvarav Mechou, Divre Mechouanim. Si les deux propos des deux personnes étaient exacts, c'était Mechouvan, eh bien, Edutan Kayemet, on retenait leur témoignage. Prochaine Mishnah, on expliquera qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a retenu leur témoignage, comment est-ce qu'on écrit le nouveau mois. Pour le moment, on accepte le témoignage, mais la Mishnah me dit, mais attention, Ushar Kolazugot et tous les autres témoins qui sont venus, les autres pères de témoins qui sont venus, Shoalin Notam, Rachid Varim, on leur pose quand même quelques petites questions. On ne va pas leur poser des questions aussi profondes, on ne va pas faire un interrogatoire tellement détaillé, mais malgré tout, on leur posait quand même quelques petites questions générales. L'Oshayut Sechinlaïn, c'est pas qu'on en avait besoin. On n'avait pas besoin de leur témoignage, puisqu'on avait déjà eu deux témoins. Malgré tout, et là, hein, pour qu'ils ne repartent pas d'ici déçus de cette fatigue et tellement, et d'avoir même transgressé Shabbat et tout ça, pour rien. C'est désolant. T'as voulu faire, finalement t'as rien aidé. Tu te sens un peu, tu dis bon, je me suis cassé la tête pour rien. Donc du coup, on se veillait à ne pas lui laisser ce sentiment. On le faisait ressentir qu'on avait que grâce à lui, on allait décréter le mois. Mais je lui ai chaillé au régime, la voix, afin qu'ils aient l'habitude de venir. Et que, pas que doucement, les gens vont se dire, voilà, ça ne vaut plus le coup de venir, de toute façon, plein de monde qui arrive, et du coup, ils ne vont plus venir, il n'y aura plus de témoignage pour le Rosh Chodesh. Donc, pour les motifs à venir, on leur posait, comme la mission précédente, on leur posait des belles tables, on les laissait se promener dans toute la ville, et on leur posait même aussi toutes les questions, on leur donnait l'importance, le sentiment d'avoir apporté un témoignage très important pour nous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.